Salut à tous, une minuscule vidéo, c'est pour vous montrer un outil qui s'appelle le Gnomi Initial Setup. Comme son nom l'indique, si vous n'êtes pas anglophone, c'est un outil, un assistant de premier démarrage pour Gnomi. C'est un outil qu'on trouve sous la Fedora, mais qui a été importé très récemment sous Arch Linux. Donc je voulais vous le montrer en action. Les prérequis, c'est d'avoir une Arch Linux avec Gnomi installée, mais par contre, il ne faut pas avoir configuré GDM, ni un compte utilisateur. Les détails sont bien sûr dans le descriptif. Donc là, je vais vous en montrer ça. Je vais essayer d'être aussi. J'espère que le son cette fois-ci sera bon. On est parti. Donc j'ai installé une Arch Linux basique avec Gnomi. Je n'ai pas créé de compte utilisateur, donc je vais me connecter directement en route. Tout Gnomi est installé, mis à part que je n'ai pas activé GDM pour la connexion. Donc je me connecte en route. Là je vous montre la taille prise déjà. Donc vous voyez quand même il y a déjà pas mal de petits trucs. Donc je vais installer l'outil en question. Gnome Initial Setup. Et maintenant pour le démarrer, on va démarrer GDM sans activer GDM pour le moment. On fait juste un GDM start, système STL start, et on est go. Donc je passe en plein écran. Voilà, l'assistant apparaît enfin. Je vais vous montrer toutes les étapes avec un minimum de blabla parce que c'est pas la peine. Tout parle très bien. D'ailleurs, par défaut, il y a un nombre d'options qui sont bien configurées. Ce qui est déjà pas si mal que ça. Là, vous voyez, on peut installer déjà quelques comptes en ligne. Je passe ce, parce qu'on peut les configurer par la suite, donc je saute cette option. Voilà, j'ai fait exprès de mettre un bon mot de passe. Pardon. Voilà. Là, on arrive au premier pas sous Gnomi. Donc là, je vais configurer tranquillement Gnomi pour montrer que tout passe bien. Voilà pour la langue, les détails techniques. Les comptes en ligne, si on veut rajouter par la suite, bien sûr. Donc là, je n'en rajoute pas. Mais vous voyez quand même qu'il y a pas mal de petits trucs. Dateur, pam, pam, on passe en automatique. Comme vous pouvez constater, c'est quand même bien rempli. Oups.
et on redémarre. Donc c'était un petit problème de rafraîchissement de l'écran. Problème de rafraîchissement de l'écran. Voilà. Donc c'est pas grand-chose. Tiens, il y a un petit bug graphique que je vais corriger tout de suite. C'est un petit bug graphique sûrement lié à VirtualBox et aucun rapport avec Nomi en lui-même. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, je voulais vous montrer ça en espérant que ça vous a plu de voir l'assistant en action et je vous dis à plus.